Qu'elle soit dans la lumière, la tendre déclaration d'amour des Hugues Auffray à sa femme de 49 ans. 28 ans après leur rencontre, Hugues Auffray a enfin épousé celle qui fait battre son cœur. À Muriel, la femme de l'ombre, le chanteur de 94 ans fait la plus tendre des déclarations, dévoilées dans les colonnes de Paris Match ce 7 septembre. Mariage pluvieux, mariage heureux, dit l'adage et ce n'est certainement pas Hugues Auffray qui s'est marié à Marly Leroy le 2 septembre dernier, qui dira le contraire. Le chanteur de 94 ans a épousé celle qui fait son bonheur depuis de longues années, Muriel, une jolie brune de 45 ans sa cadette. Pour cette dernière, cette union est un cadeau. Car marié depuis 1951 à la danseuse Hélène Faure, Hugues Auffray n'a jamais voulu divorcer. La faute, comme il est révélé dans les colonnes de Paris Match ce 7 septembre, à un traumatisme d'enfance, la séparation de ses parents alors qu'elle est adolescent. Un drame qui le marquera au point qu'il l'évoquera dans la chanson La Sévillane, « Mon père a aimé ma mère, mais la vie les a séparés. Aïe la peine que je traîne. » C'est finalement la mort de sa première épouse, le 6 octobre dernier, dans leur propriété d'Orgnac-Leven, en Ardèche, qui le délivre de sa promesse. Elle m'a donné sa jeunesse. Hugues Auffray a rencontré Muriel dans un TGV le 31 août 1995. La timide étudiante a 20 ans, il lui demande si elle veut être comédienne, lui propose des contacts. Elle est l'une de ses admiratrices mais n'ose pas lui demander des autographes. Les trois premières années de leur amour, ils se vouvoient. 28 ans après le coup de foudre, Muriel n'est plus une jeune fille, mais elle est la meilleure alliée de l'artiste. Elle gère les plannings et les affaires courantes, protège comme une louve son repos. Preuve de la confiance aveugle du chanteur, il lui a confié la responsabilité du prompteur, ce qu'elle a accepté avec enthousiasme, pour être au plus près et dans l'anonymat. Mais cet anonymat, elle interprète de Santiano, fou amoureux, n'en veut plus. C'est pourquoi il a décidé de lui passer la bague au doigt. Muriel mérite sa robe blanche et ce long voile symbole de pureté dont elle rêvait petite fille. Elle m'a donné sa jeunesse et, depuis plus de 25 ans, elle est dans mon ombre, dans mon sillage, aujourd'hui, lâche-t-il. Je souhaite qu'elle soit dans la lumière. Voilà son vœu exaucé.